J'ai une petite frise chez moi, je demande de m'excuser. Shoten qui remporte donc ce match face à Tomosa. Le versus de Gaël, il est là. Il s'agit de Dalsim, un versus absolument impossible pour les raisons que vous risquez de voir dans pas très très longtemps. Si, voilà, exactement. Shoten fait un mauvais Sonic Boom, une mauvaise distance. Le bas moyen point passe sous les Sonic Boom et vous permet, voilà, de garder après parce que sinon c'est pas drôle. Hein. C'est pas comme s'il y avait trade. C'est vraiment tellement en faveur de Dalsim que c'en est dégueulasse. Shoten dans le coin, hein, maintenant acculé par ce Dalsim. Kawashima. Kawasim, pardon, si vous ne l'avez pas reconnu, le gros qui passe par la punch, le light punch et le saut morceau 5 kit combo et la super engrasse superbe. Oh là 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 là, oh là 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 là, magnifique, magnifique ce qu'il vient de nous faire là, Kotaka. Un combo extrêmement difficile avec Stanley Punch Somersault, hein. C'est-à-dire que lorsque vous exécutez la manipulation du Somersault, vous savez, vous allez du bas vers le haut, il faut que lorsque vous passez par la position neutrale, vous glissez un Stanley Punch et vous faites ensuite au petit pied pour lancer le Somersault. C'est absolument démentiel ce qu'il vient de faire, et la super en combo block string juste derrière l'est tout autant, mais si tu fais pas ça, tu gagnes pas contre Sim. Le Somersault, c'est touché, cross-up, ça passe, 2LK, 2LK, il peut y avoir la super en combo là-dessus. Somersault encore au pif, hein, évidemment, il essaye de choper des membres de Dalsim. À l'arrière, HK qui a pris ici le game Inferno, un partout à présent entre Kotaka Shoten et Kawasim. Kawasim, ça doit vouloir dire le Sim gris à tous les coups, un truc comme ça. Généralement, les Sims, ils aiment bien donner leur couleur et mettre Sim derrière, c'est une mode à 2X, on met les pseudos assez simples. Tout de même, à l'époque, lorsqu'on est un jeu de la vieille, on voit ici un Shoten en grande difficulté. Oh, Stanley Punch pour casser le drill, il est là, il est là, il est présent, Shoten, pour le moment. Il se fait respecter, moi je vous le dis, il va nous le sortir ce Sim. Allez, toujours la mise au coin, il attend patiemment. Pour le moment, ça ne fait pas de dégâts, donc il s'en fout, il peut encaisser dans la garde. Oh, la glissade sous le Sonic Boom, ça aussi, c'est complètement fatal. Bas medium kick, ça fait mouche. Toujours le pressing de bas medium punch qui fait mouche une fois sur deux sous les Sonic Boom de Kotaka. Upside down kick, va bien utiliser l'arrière, petit point entier. Il a quasiment plus de vie, les deux adversaires. Bien joué, Sonic Boom qui nous redonne l'avantage à Kotaka. Shoten, drill dans la garde et c'est pas safe. Oh là là, heureusement hein, qu'il a fait cette erreur. Kawasim, Shoten remporte donc ce match. Il en est à beat by 2. Shoten avec son Gaël, je rappelle que c'est le cinquième perso de son équipe, alors que Gucci, Loryu en face n'est que le quatrième, donc évidemment l'équipe Pierrin est en retard et doit immédiatement rattraper tout ça, ce qui à mon avis est fort possible avec un Gaël aussi talentueux. Ce versus est un versus complètement équivalent, Ryu contre Gaël, 5-5 parfait, son medium kick qui gagne ici ce Tatsumaki. Allez, encore un Sonic Boom qui passe, hein. Encore un dans la garde, il est dans le coin, mais il s'en fout. Solar Plexus s'est cassé par un Sonic Boom. Il a toujours pas le temps de lancer ça, super. Il fait attention, bien sûr, en fait, même s'il prend ce Tatsumaki. Balayette Hadoken en Twin One. Il est dans le coin, la range est catastrophique. Et ce dragon qui ne sort pas, qui se fait punir par un saut HK, permet à Shoten de prendre le premier round. C'est intéressant, il se met au coin quasiment tout seul, hein, Shoten, pour essayer parfois de se préserver. Il s'en fout, il attend avec des Stanley Punch dans le vent. C'est en feinter un peu ses Sonic Boom pour essayer de faire provoquer à son adversaire une super. Un joueur se décale shop après son medium kick, prend son même cas aussi à son tour. Gucci en retard, en l'énergie, qui prend Sonic Boom dans la garde. Attention là, attention, il cherche, il est dans les airs quasiment tout le temps. Shoten là, il va aller vers l'avant et voilà, sur le Sonic Boom, le réflexe de Shinko Hadoken et grattage. Oh non, même pas, il a raté son grattage Wado, et Shoten qui remporte ce match là dessus sur une grosse erreur, puisque il a fait 2 MK à la relevé, qui n'a même pas touché l'adversaire, elle n'a pas pu le canceller en Twin One. Ça, c'est vraiment bête. Hein. Une victoire, une défaite un tout petit peu bêta-sou de la part de Gucci. Allez, le match-up encore. Dalsim Blanc, hein. Il n'y a vraiment pas de chance. Hein. Ce gars, match-up sur match-up, il est en train de bouffer. C'est extrêmement compliqué hein, pour Gaël. Blanca et saut medium kick, chop à la relevé. Le saut petit pied qui fait whiffer le somersault. Re-chop, dash spécial. Et cette glissade du singe qui passe sous tous les Sonic Boom. Absolument tout. Vous voyez, qui prend même pas le truc en garde. Ce gros point encore. Balai Punch bien joué pour casser cette rolling. Le Sonic Boom qui recasse la rolling. Allez, il peut le faire. Il est à 0 vital. Kotaka Shoten à 0 vital qui recasse une rolling maintenant avec un Sonic Boom. Il essaie de le gratter. L'autre, il reste plus que 10 secondes. Il faut attaquer. 7 secondes. Allez, vers l'avant. Il a plus le choix maintenant. Décalage chop. Il reste aucune seconde.
la super, ouais, c'est magnifique ce qu'il a fait. La super tue Yama, mais dans le time over, du coup l'énergie est pas descendue et c'est Yama qui gagne alors qu'il l'a théoriquement perdu si on regarde si on regarde l'écran. Ça aussi c'est magnifique ce genre de truc. C'est assez remarquable. Bug de ce jeu qui arrive de temps en temps. Oh, il a pris quelques Sonic Boom dans la tête là. Il n'arrive pas à attaquer. Bien joué ce petit pied. Heureusement, il réussit à sortir sa Reversal Chop ici, Shoten. Dans la foulée, il sort du coin avec le 2MK qui punit ce saut HK. C'est très très lucide. Encore un trade entier. Et le saut HK ouais, dans ce saut. Et il en a fait ce qu'il voulait là. Il en a réellement fait ce qu'il voulait. Peut-être un tout petit peu furieux d'avoir terminé ce match eh bien, sur le time over, le premier round. Kotaka repasse à l'attaque et semble parfaitement maîtrisé versus. Ah, il y a un bas gros point, vous voyez, qui se fait casser. Le saut de Blanca est tellement rapide. Bien joué cette Rolling Stone pour se rapprocher. Medium Punch, balayette, salami à terre. Ici, il est toujours dans le coin. Pas de Sonic Boom possible avec cette attaque de glissade du singe quasiment gratuit. Bas gros point qui se fait casser par la Rolling. Il n'y a rien à faire. Glissade du singe avec la Rolling encore qui gratte. Il est à zéro vital à présent. Kotaka Shoten. Un Sonic Boom qui casse la Rolling. Kick, décalage. Balayette, double glissade. Il reste dans le coin. Il ne bouge pas. Sonic Boom, c'est passé à HK. Sonic Boom, attention au stun. Après un autre coup, ça peut arriver très vite, il tient pas la punch anti-rolling, il est toujours en coin, il est toujours un mur, un bloc de glace absolument impassible, il lui faut qu'un dégât de grattage, il n'y arrive pas, il arrive même pas à le gratter, Yama impuissant, Yama qui n'a aucune solution, qui saute au pif et qui est puni par ce somersault, incroyable mur défensif, Kotakawa Mutu Tekida, Kotaka est invincible, absolument invincible. On aurait cru voir Muteki Gaina dans ses grandes années. Versus symétrique, le plus passionnant de l'histoire du jeu vidéo. Kikai contre Kotaka, Shoten, les deux meilleurs guys de la salle GameSpot versus qui vont s'affronter à présent à coup de Sonic contre Sonic. Et le premier round tourne à l'avantage pour le moment de Kotaka qui tabite by 4. Hein. Il a bien remonté. Son équipe a repris l'avantage dans ce 12 versus 12. C'est quand même assez remarquable pour être signalé. Le bas medium kick après ce décalage qui est passé. Kotaka toujours en train de gérer somersault dans le saut. Et Sonic Boom en grade, c'est parfait. Parfait. Kotaka qui prend le premier round. Versus symétrique tout de même. Qui généralement tourne en faveur de Kikai, qui est censé être le meilleur des deux, hein. C'est celui qui est le mieux classé dans les rankings d'Anisen de la salle GameSpot versus. Et pourtant, et ben là, je sais pas, Kotaka Shoten semble peut-être grâce à son pseudo remanié en ce début d'année 2011 complètement transcendé et en mode invincible. Et quand t'es en mode invincible, que veux-tu faire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Oh, bien joué. Stand Medium Kick pour casser Upside Down Kick de la part de Kikai. Lui aussi, il est bien aware, la mouche, de ce qui se passe. Il a pris son HK avant MK. Avant MK encore pour essayer de casser le startup du Sonic Boom. Très très réactif, très mobile. Kotaka Shoten. Et pour le moment, toujours en retard. Son HK, heureusement, il a réussi à mettre la garde. Et voilà Kikai qui se prévient d'un décalage chop Diable Vauvérisé par ce avant Medium Kick. Un partout entre les deux adversaires. Et encore un round de Gal versus Gal. Mais un Gal versus Gal quand même très dynamique. Grâce à Kotaka Shoten qui va vers l'avant énormément. Vous avez vu, on le voit, hein, arrière HK pour se rapprocher, arrière light kick. Vous avez vu, il pousse, il s'en fout, il va le mettre au coin jusqu'à ce que ce soit fait. Le bras gros point qui t'aide, qui donne l'avantage à Kotaka, qui cherche même plus à l'attaquer sous forme de Sonic Boom, qui cherche à attaquer de front à présent. Il laisse un peu Kikai s'en sortir. Voilà, le front il y va avec le 2MK qui trade sur ce Sonic Boom, toujours à l'avantage pour le moment de Kotaka Shoten qui est très bien parti dans ce troisième round. Arrière HK qui trade les deux. Encore bas gros point que ça fait double touche. Toujours en la faveur de Kotaka. Il prend un sommeil kick et c'est maintenant l'égalité parfaite à 17 secondes de la fin. Kika il reprend l'avantage. Il reste plus que 13 secondes. Et c'est Sonic Boom contre Sonic Boom. Il prend un HK dans le saut. Ce morceau pif. Et sommeil kick qui passe dans le bas gros point. Kika qui stoppe l'invincibilité.